Salut à tous, Salty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Elden Ring. Il a été annoncé, enfin sa sortie a été annoncée, ce sera donc pour le 21 janvier 2022. Et si vous n'avez pas encore vu le trailer à l'occasion du lancement de l'E3 et de la conférence Future Game Show hier soir, je vous laisse regarder ça tout de suite. On se retrouve juste après. Guided by grace, once lost. The Golden Order is broken to its core. Elden Ring, emboldened by the flame of ambition, someone must extinguish thy flame. They will fight, and they will die. C'est quand même assez magnifique, on va pas se mentir. Et qu'est-ce que c'est Elden Ring? Il y a eu pas mal de news aussi qui sont venues avec le trailer et je vais vous donner toutes les dernières infos sur le jeu de From Software. C'est parti! Alors c'était le lancement de l'E3, vous savez, ces conférences qui vont durer une semaine pour nous donner toutes les news sur les futurs jeux, les trailers, les world premières, tous les jeux qui vont sortir, etc. Et il y a un jeu pour ce lancement qui était très attendu, c'est Elden Ring. Les gens ne pensaient pas franchement qu'il y aurait une date de sortie. Ça y est, ils ont annoncé pour le 21 janvier 2022 et en plus ils ont mis un trailer de gameplay qui est quand même assez impressionnant, donc ils ont plus ou moins quand même bien marqué cette conférence hier. C'est un action RPG à la troisième personne qui est dans l'évolution des Dark Souls, Elden Ring. Et dans la lignée donc des Souls, des Sekiro, des Bloodborne. Il est développé par From Software depuis 2017 et il est dirigé par Hidetaka Miyazaki. Alors que l'univers d'ailleurs du jeu est conçu par George Martin. C'est un jeu en monde ouvert cette fois-ci, donc ce sera vraiment un open world que vous pourrez parcourir à cheval et vous irez dans différents donjons, vous irez vous battre, il y a même du combat à cheval qui pourra être fait sur ce jeu. La grosse news quand même, c'est qu'il y aura du multijoueur qui sera jusqu'à 4 joueurs, ça a été confirmé par Bandai Namco, l'éditeur, mais on ne sait pas exactement sous quelle forme, est-ce que ce sera de la coop ou pas, on verra ce que ce sera. Il y a le président aussi de Bandai Namco qui a déjà déclaré qu'ils allaient continuer à développer Elden Ring, pas seulement en tant que jeu vidéo, mais aussi partout ailleurs, dans d'autres domaines, dans d'autres zones. Donc on peut imaginer qu'il y aura pas mal de trucs dérivés, pourquoi pas même une série peut-être, ou un film au cinéma. En tout cas, ils sont déjà sûrs de vouloir bien tirer parti et tirer avantage de leur licence qui a l'air bien partie et très très attendue par un bon nombre de joueurs. Au niveau du jeu et du gameplay, etc., il n'y a pas énormément d'informations pour le moment, mais il faut savoir qu'il est précisé quand même que tous les donjons seront interconnectés, ce qui signifie peut-être qu'il y aura des raccourcis pour les speedrunners. Ils ont dit que le endgame serait interconnecté avec d'autres donjons qui seraient tous un petit peu en lien d'une façon ou d'une autre. Ils sont restés un petit peu flous là-dessus. Il y aura aussi un système de météo dynamique
Et également, il y aura un cycle jour et nuit. Donc le cycle jour et nuit, il a déjà été dans leur précédent jeu, mais une météo naturelle, donc il pourra changer de temps en temps. Vos adversaires auront tous un background et une histoire qui leur est propre, et ils pourront vous combattre ou même parfois vous aider. Il y aura également plusieurs biomes dans le jeu. Il y aura des plaines, des montagnes, des châteaux, mais aussi des marécages. Et tout ça, ils disent avec une grandeur qu'on n'a jamais vue encore dans un jeu de From Software. Donc c'est vraiment le jeu de From Software le plus, a priori, le plus impressionnant qui va bientôt sortir. Donc. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, oui, vous pourrez créer votre propre personnage. Et il y a aussi une autre petite news qui est plutôt pas mal, c'est que vous pourrez upgrader votre jeu. Par exemple, si vous le prenez sur Current Gen, sur PS4 ou sur Xbox One, et que plus tard vous aurez une console Next Gen, vous pourrez le passer gratuitement à la prochaine plateforme. En tout cas, ce qu'on peut dire c'est de façon sûre, c'est qu'il est magnifique ce trailer de Elden Ring. Franchement, c'est vraiment, vraiment joli. Pour le coup, c'est pas forcément mon style de jeu, vous le savez. Mais là, vraiment, j'ai pris une claque en voyant le trailer. C'était quand même carrément la star de cette conférence. C'était vraiment, vraiment waouh. Le monde a l'air justement tellement sombre et tellement beau. C'est tellement vraiment bien fait que ça donne vraiment envie d'y jouer. Voilà, laissez-moi les commentaires en me disant ce que vous en pensez de ce jeu, si vous l'attendez comme un dingue ou pas, ou comme une dingue. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo si vous avez aimé. Et puis voilà, je voulais vous donner les quelques infos qu'on avait pour le moment sur le jeu tant attendu Elden Ring. Voilà, c'est chose faite. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis ciao à tous, c'est Altis. À plus tard.